C'est une interruption momentanée de nos programmes habituels pour notre chronique parentale. Je suis heureuse d'être avec vous, mesdames. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Linda Kouvoua-Mamoutemé et j'ai enfin aujourd'hui l'honneur d'être avec l'invité de Laetitia Peixoto qui reçoit une femme d'exception, une mère en particulier. On va se focaliser sur son rôle de maman. Et si vous avez bien suivi notre communication, vous comprendrez pourquoi. Je vous annonce juste, je vous rappelle simplement le sujet d'aujourd'hui. Alors, on va se focaliser sur le syndrome de Prader-Willi chez l'enfant. Et donc, ce sera l'incroyable témoignage d'une mère d'exception que nous allons pouvoir vous partager. Je vais découvrir aussi avec vous, hein. Donc, ne pensez pas qu'on sait beaucoup de choses avant vous. On découvre beaucoup de choses en même temps que vous, auditrices. Et merci à tous et à toutes d'être encore là ce dimanche 15h30 pour nous écouter en direct. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura un replay. Donc, si jamais vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin avec nous, il n'y a pas de souci, le replay sera disponible au moins de 48 heures. C'est à toi, ma Laetitia, je te passe la parole et encore une fois, merci à Marion d'être avec nous cet après-midi. Merci Linda, salut à toutes les deux. J'espère que tout le monde va bien. Effectivement, en fait, j'ai vraiment l'honneur aujourd'hui d'avoir Marion et surtout que Marion ait accepté de venir partager ce moment avec nous pour parler du syndrome de Prader-Willi. Et tout comme toi, en fait, Linda, moi, avant Marion, je connaissais pas du tout ce syndrome. Et voilà, et je voulais vous faire découvrir Marion. Je voulais qu'elle nous partage, voilà, tout ça, tout ce qu'elle sait, tout son quotidien de maman, de super maman, même si elle l'admet pas. Et voilà. Bonjour Marion, comment tu vas? Et bonjour à toutes les deux et bonjour à tous. Je vais très bien, très bien. Et effectivement, j'avais pas forcément imaginé un jour partager comme ça dans une émission en fait autour du syndrome de Prader-Willi. Mais je suis très contente parce qu'effectivement, c'est l'occasion de faire connaître ce syndrome qui est très peu connu en fait. Exactement. Ouais. Donc, juste Marion, je te présente un petit peu pour nos éditeurs et puis après tu vas compléter. Mm-hmm. Donc Marion, t'es maman de deux enfants, un grand Arthur qui a 10 ans et une petite Chloé de 8 ans. Et effectivement, moi je connais Marion, dans ma vie professionnelle, on s'est connus. Elle m'a fait courir, elle m'a fait reprendre la course en fin d'année pour la cause justement du syndrome de Prader-Willi. Et effectivement, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à ce que c'était, voilà, et quelle était cette cause. Et effectivement, elle m'a fait remettre mes baskets et puis courir sous la pluie, mais c'était super bien. Donc voilà, Marion, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous présenter, vraiment évoquer. Nous, on ne connaît pas grand-chose, en fait, c'est juste documenter sur le syndrome pour effectivement connaître les grandes lignes, si tu veux. Ouais. Et toi, qui es maman de la petite Chloé, est-ce que tu peux nous parler du syndrome de Prader-Willi et nous présenter Arthur et Chloé aussi? Ouais. Alors, essayer de faire ça de manière simple et voilà, en ayant en décrivant, on va dire, le gros en fait de ce syndrome. Alors c'est un syndrome en fait qui est une maladie génétique rare. Ça touche à peu près, je dirais, un bébé sur 20 000 à 25 000. Les chiffres varient selon les sources. Et en fait, ce syndrome, il entraîne un certain nombre de symptômes qui sont de nature et de degré finalement très variables en fonction des personnes. À la naissance, souvent, ce qu'on va retrouver, c'est une hypotonie sévère. Donc, c'est des bébés en fait qui bougent très peu, qui n'arrivent pas à téter et donc qui ont de grandes difficultés à s'alimenter. Et en fait, avec le temps, en fait, qui va se développer vers l'âge de 2-3 ans, c'est une obésité précoce qui est liée en fait à de l'hyperphagie. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais en fait, l'hyperphagie, c'est quoi? C'est, en tout cas dans le cas de ces enfants, c'est qu'il n'y a pas de satiété. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des enfants qui n'éprouvent jamais le sentiment de satiété. Ils ont tout le temps faim. Et la double peine, c'est quoi? C'est qu'avec leur métabolisme et l'hyperphagie, en fait, ils doivent manger 30% de moins environ que les autres enfants de leur âge. Donc du coup, c'est, comme vous pouvez l'imaginer, c'est assez compliqué. Pour eux en premier. Et puis en fait, en plus de, on va dire, ce symptôme un peu alimentaire, il y a pas mal de troubles en fait qui vont graviter autour de ça. Il peut y avoir des troubles de la croissance, des troubles d'acquisition, des troubles du comportement. Mais voilà, comme je disais, selon en fait les enfants, c'est assez variable en fin de compte. Mmh. Donc voilà. Et nous, ce syndrome, en fait, on le côtoie depuis environ 5 ans. On l'a pas su tout de suite à la naissance en fait. Et ce qui s'est passé il y a 5 ans, c'est qu'en fait on a fait le lien entre pas mal de difficultés que pouvait rencontrer Chloé et puis cette maladie.
c'est parce que voilà, bah forcément on rencontre des médecins et puis à un moment donné il y en a un qui évoque le nom, ouais. Et donc là voilà, ça fait tilt. C'est vrai que tout bébé ça a été compliqué, des difficultés d'alimentation, des outils à répétition, au niveau du langage ça a été hyper compliqué, elle est rentrée à l'école, elle savait pas du tout parler, puis même après ça, ça a été difficile. Elle y voit pas grand chose, difficulté d'endormissement, enfin bref, j'en passe, mais surtout, le point pour moi majeur, c'est vraiment le rapport à la nourriture. Très tôt, ça a été hyper compliqué, on était confrontés à des prises de poids très fortes, et qu'on n'expliquait pas du tout. On pensait que c'était la nounou au début qui donnait trop à manger, puis après elle est partie à la crèche, on s'est dit « ah, c'est à la crèche », puis après elle est partie à l'école, on s'est dit « ah, c'est de la faute de l'école ». Et en fait, voilà, finalement, à un moment donné, on se dit « bah finalement, j'essaie de trouver un coupable systématiquement, mais c'est peut-être pas ça, quoi ». Et donc voilà, la balance elle montait de manière inexorable sans qu'on sache pourquoi, et on est arrivé dans la zone de surpoids, donc là on s'est vraiment inquiété. Ouais. Et en fait le déclic ça a été l'entrée à maternelle, où là en fait les difficultés sont démultipliées hein, pour ces enfants qui sont un petit peu différents, parce qu'ils se retrouvent assis avec plein d'enfants du même âge, et donc forcément c'est là que les différences apparaissent beaucoup plus fortes. Oui. J'ai plein de questions, mais j'essaie d'imaginer du coup, parce que c'est vrai que quand on parle peut-être de maladies peu connues, parfois le diagnostic à poser peut prendre beaucoup de temps, beaucoup d'années. On peut rencontrer beaucoup de spécialistes, chacun avec leur diagnostic, leur pressentiment, enfin leur ressentiment par rapport aux symptômes qu'ils observent. Combien de temps s'est écoulé entre les premiers, on va dire les premières manifestations de ce syndrome et la pose du diagnostic, à peu près combien de temps? J'ai entendu l'entrée en crèche, donc c'est vers... en crèche vers un an et quelques. D'accord. Et là déjà, les auxiliaires disaient « Ah, c'est bizarre, votre enfant, elle n'est pas comme les autres ». Mais après, c'est difficile à recevoir en fait, hein, oui. Quand on dit « il y a un problème, ton enfant, il est pas normal ». Enfin, c'est pas qu'elle disait ça, mais en fait, elle ne savait pas en fait réellement formuler ce qui n'allait pas. C'est ça qui était compliqué. Mais finalement, en fait, toutes ces personnes tu vois, qu'on a rencontrées, que ce soit les auxiliaires à la crèche ou même après à l'école, les maîtresses qui, pareil, voyaient qu'il y avait quelque chose qui était surprenant en fait chez Chloé. C'est à un moment donné, en fait, ces personnes-là, t'as envie de leur dire, ah, c'est bon, laissez-moi tomber. En fait, ma fille, elle va très bien, elle est tout à fait normale. Parce que moi, je la vois comme tout à fait normale. Enfin, je veux dire, je vois pas de différence avec les autres enfants, même si il y a des décalages sur certains domaines. Mais à un moment donné, en fait, je me suis sentie, en fait, un peu dans l'obligation d'écouter, en fait. Je me suis dit, allez, faut, j'ai envie de m'acheter la paix parce qu'en fait, elles n'arrêtent pas de me harceler, en fait. Même à un moment donné, j'ai cru qu'on allait nous dire il faut sortir Chloé de l'école, elle n'est pas propre, ça ne va pas, elle ne parle pas, etc. etc. Okay. Et en fait, finalement, tu vois, ce fait justement d'écouter un petit peu aussi ces professionnels hein, qui justement ont l'habitude hein, de côtoyer des enfants, c'est sans doute la meilleure chose que j'ai faite, même si ça m'a un peu coûté, parce que j'ai dû ravaler ma fierté certainement. Et en fait, elles nous ont orientées vers le CAMS. Je ne sais pas si vous connaissez le CAMS. Tu peux dire ce que c'est ? Alors, c'est le Centre d'Action Médico-Sociale Précoce. En fait, en gros, en d'autres termes, c'est le Centre de Détection des Handicaps Précoces. En fait, c'est des petites unités qui sont rattachées à l'hôpital, qui concentrent des professionnels de l'enfance, des pédiatres, orthophonistes, kinés, psychomotes, etc. Et qui aident en fait les petits-enfants en fait, en dessous de l'âge de 6 ans, qui ont en fait des difficultés liées à des... qu'on appelle des handicaps précoces, qui peuvent prendre toutes sortes de formes différentes. Hein. Ça peut être des enfants qui sont nés prématurément, ça peut être des enfants avec une maladie génétique, ça peut être plein de choses différentes. Et en fait, ces gens-là au CAMS, on a eu du coup la chance incroyable du coup, de pouvoir rentrer en fait, au CAMS et d'être pris en charge. Et c'est vraiment eux qui nous ont accompagnés en fait, jusqu'au diagnostic. C'est-à-dire que tu es suivi par un pédiatre qui t'aide, qui dit bah, « faut, on va peut-être creuser cette piste-là par rapport aux problèmes alimentaires, aller voir un endocrino, etc. » Et jusqu'à, en gros, voilà, le diagnostic, on l'a posé vers 3 ans. Et c'est vraiment eux en fait, qui nous ont aidés là-dessus. Quoi. Et Marion, justement, tu vois, parce que la difficulté, c'est de se dire en tant que maman, oui, en fait, mon enfant n'est pas dans la normalité, entre guillemets, et la normalité où tout le monde veut qu'on soit. En fait, c'est ça le problème, et c'est la difficulté qu'on a, nous, parents, de se dire, bon, là, peut-être, effectivement, il faut que j'écoute telle personne parce qu'elle a peut-être raison. Que mon enfant n'est pas comme les autres, mais n'est pas comme les autres n'est pas négatif.
Et on a du mal à se le dire, ça. Qu'est-ce qui t'a fait, tu vois, vraiment te dire, ok, ben là, il faut que j'écoute, parce que là, j'ai besoin qu'on m'aide vis-à-vis de Chloé. Ou, tu vois, il y a une personne en particulier au niveau de l'entourage côté soit crèche, soit scolaire, ou est-ce qu'il y a un mot en particulier qui t'a vraiment te donné ce déclic et aussi la force d'aller vers les autres et te dire j'ai besoin d'aide. Si je pense à une personne, c'est marrant, je pense à une de mes sœurs en fait, qui a un petit garçon qui a l'âge de Chloé à 3 semaines près. Et en fait, un jour on s'appelle et en fait, elle me raconte en fait ce que fait son fils. Et là, tu vois, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur parce que je me dis, j'en suis pas du tout là. Elle parle pas, elle fait pas ci, elle fait pas ça, etc. Et du coup, d'un certain, tu vois, au début, tu te sens un peu jalouse et puis du coup, en colère aussi. T'as beaucoup de colère parce que tu dis, non mais c'est bon, arrête de me parler de ça, quoi. Et puis en fait, ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que je me dis, mais pourquoi je me mets en colère contre ma sœur? C'est ma sœur, je l'adore, j'adore ses enfants. Et en fait, en réalité, ça m'a fait cheminer en fait vers une idée hyper importante. Enfin, un concept très important, c'est l'acceptation. Oui. C'est à un moment donné, tu dis, mais en fait, il faut juste l'accepter. C'est pas de la faute de ma sœur, c'est pas de la faute des autres. Si en fait, bah, Chloé, elle a des difficultés en fait. Et du coup, il faut pas en fait se faire mal à soi-même. Il faut juste l'accepter comme telle. Et dès lors en fait que justement, tu es dans l'acceptation de la maladie entre guillemets, bah, tu te sens beaucoup mieux en fait. Et du coup, là, tu vois, je suis passée à autre chose. Exactement. Et comment t'es allée vers justement ce centre-là? Est-ce que tu es allée toute seule? Parce que là, le déclic qui s'est fait, donc t'es dans l'acceptation et donc du coup tu te sens beaucoup plus, comment dire, libre, tu vois, de consulter des médecins que tu n'aurais pas pensé au début. Ou est-ce qu'il y a eu quand même un accompagnement de la part, par exemple, de la maternelle ou de la directrice de la maternelle, enfin directrice ou directeur, on sait, enfin voilà. Mais est-ce que tu vois, tu as dû faire ces démarches toute seule? Et heureusement, j'ai envie de dire que tu as eu le déclic, tu vois, ou est-ce qu'il y a eu quand même un accompagnement? On est pas mal tout seul quand même, hein, au début. Ouais. On est pas mal tout seul et ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, tu dis, y a des problèmes à gauche, donc je vais voir le médecin qui est spécialisé sur les problèmes à gauche. J'ai des problèmes à droite, donc je vais voir aussi le médecin qui est spécialisé à droite. Et en fait, il n'y a personne en réalité qui fait en fait le lien entre tout ça. Donc tu dis, ah, mon enfant, il y a des difficultés un peu partout, mais je ne sais pas trop s'il y a quelque chose de commun entre tout ça et personne ne sait te dire parce que chacun voit en fait son périmètre. Et c'est là en fait justement tout l'intérêt du CAMS. Et je t'avoue qu'effectivement, c'est la directrice de la maternelle qui m'a un petit peu poussée en fait hein, dans cette direction-là parce qu'en fait, moi j'étais de toute façon un petit peu en mode pas désespérée, mais en fait fatiguée quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois, t'as tout qui en fait commence à déborder quoi. Hein, la fatigue, les rendez-vous. Enfin tout et du coup en fait tu dis bon allez je vais l'écouter cette directrice, effectivement je vais aller au CAMS. Effectivement en fait au CAMS t'as des gens justement qui sont là pour faire le lien en fait entre tous ces médecins là et donc ça c'était une vraie aide, c'est à dire qu'en fait quand tu la vois elle te dit bon ben voilà ORL on en est où, ophtalmo on en est où, psychomote on est où, orthophonie etc etc. Et c'est vrai qu'en fait ça a été le déclencheur, on a mis du temps en fait à y arriver même si c'est court finalement, parce qu'on est allé assez vite, hein. Mais une fois qu'on est rentré là-dedans, c'est génial. Et en plus, tu croises des gens fabuleux, parce qu'en fait, c'est des personnes en fait, qui donnent vraiment leur vie en fait, tu vois, pour aider les enfants et en fait, pour leur apporter quelque chose de plus. Ouais. On a eu la chance de faire de l'équithérapie, par exemple, c'est quelque chose d'incroyable, et qui nous a été offert, j'ai l'impression presque, tu vois, sur un plateau. Moi, j'ai rien demandé, et du coup, j'étais hyper reconnaissante justement vis-à-vis de tous ces gens-là qui t'apportent des choses avec un naturel vraiment incroyable. Et du coup, l'après du coup, donc là, le diagnostic qui tombe, donc là, tu dis, ok, maintenant, ma Chloé, je sais comment, ce qu'elle a. Et tout ce qui l'embête depuis toutes ces années et tout ce qu'on a essayé de faire pour faire en sorte qu'elle soit la plus normale possible. Mais maintenant que voilà, le diagnostic est posé, le syndrome, il est évoqué, il y a des mots pour remettre, voilà, il y a des mots. Tu vois, comment tu t'es sentie dans cette deuxième partie où même, mais pas que toi, ta famille, tes enfants, ton époux, tu vois, comment? Ouais. Tu as toute cette deuxième phase où tu dis ça y est, là c'est bon, on va pouvoir se concentrer. Il y a des choses qu'on va devoir faire. Ok, on y va, mais tu vois, qu'est-ce que tu as dit à ce moment-là?
J'ai du bien et du moins bien, quoi. Du bien parce qu'en fait, tu dis, tu mets enfin en fait un nom sur quelque chose. Alors même si dans le cas de Chloé, nous, on est un peu, c'est un peu particulier parce qu'elle a ce qu'on appelle un syndrome de Prader-Willi-like, c'est-à-dire qu'en fait, elle a tous les symptômes, mais d'un point de vue génétique, on n'a toujours pas trouvé en fait réellement la cause. Parce que dans le Prader-Willi, le vrai, c'est le syndrome. On sait très bien que ça se situe au niveau du chromosome numéro 15. Mmh. Chez Chloé, on n'a pas trouvé. On est encore en train, tu vois, de chercher. Il y a encore 2 semaines, on était à Necker. Et on continue les recherches, en fait, pour comprendre, en fait, d'où ça peut venir. Donc, voilà, d'un côté, c'est positif parce que, voilà, t'as quand même mis le doigt sur quelque chose et puis ça facilite quand même, hein. Parce que, du coup, t'as une reconnaissance à la Sécu. Ça paraît anodin, mais en fait, c'est important. Parce que, mine de rien, t'enchaînes un peu les rendez-vous, hein. Donc, c'est important, à un moment donné, d'être considéré comme étant, voilà, un syndrome qui, en fait, a besoin d'un suivi particulier. Et qui est pris en tant que tel. Mais finalement, de l'autre côté, tu dis, c'est pas facile non plus, parce qu'en fait, explique ça à ton enfant. Tu vois, que le Chloé, je pense qu'elle se voit pas du tout comme quelqu'un de différent, et moi non plus d'ailleurs, hein, tu vois, quand je la vois tous les jours, oui, forcément, il y a plein de difficultés, mais en réalité, c'est une petite fille qui est pleine de vie, qui adore rigoler, qui fait des bêtises comme tous les enfants, tu vois. Et du coup, quand tu dois lui parler, en fait, de maladie, c'est pas évident, quoi. Hein. On est passé d'ailleurs par une psychologue pour ça, hein, qui nous a beaucoup aidé, en fait, pour mettre le nom maladie, en fait, sur la table, sans en faire quelque chose de difficile ou tabou, oui. Mais de l'accepter en tant que tel. Quoi. Et pour tout le monde, je pense, pour les parents comme pour les enfants, parce que mine de rien, des deux côtés, je pense qu'il y a un chemin d'acceptation à mener. Quoi. Et, donc, voilà. Et justement, des deux côtés, tu parles des parents, il y a Chloé, il y a son grand frère, tu vois tout ça, comment vous, enfin tu vois, vous posez le, voilà, vous pouvez poser le mot maladie, et le mot maladie n'est pas quelque chose de négatif, c'est ça fait partie de notre vie, et notre Chloé, et ta Chloé, c'est Chloé, quoi. C'est Chloé, il n'y a pas de différence, elle n'est pas différente. Comment tu as fait, tu vois, moi, j'essaie de me mettre à ta place, et on est toutes mamans, là, toutes les trois, on a d'autres enfants, et tu vois, dans la fratrie, il faut inclure, tu vois, le rythme de vie pour que Chloé s'épanouisse aussi bien que Arthur. Par exemple, mais ça peut provoquer des frustrations chez Arthur. Donc, bien comment sûr. Tu gères tout ça ? Tu vois, c'est extrêmement compliqué. Enfin, c'est compliqué. Tu vois, et c'est pour ça qu'on te dit que t'es une wonder maman. Hein, mais c'est, ouais, tu vois, il faut trouver. Je pense que tu dois avoir plein d'astuces. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu comment tu mets tout ça en musique ? Oui, alors c'est pas toujours facile. Hein. j'en conviens. Non, c'est vrai qu'en fait, le sujet il est venu naturellement, mine de rien. Enfin, il s'est imposé chez nous, hein, comme ça. Je veux dire, on lui a rien demandé, mais il était là et du coup, on l'a accepté comme tel. Et effectivement, il a induit pas mal de changements dans notre vie de tous les jours, hein, ça c'est certain. Et surtout, un changement fondamental sur tout ce qui est alimentation. Parce que de toute façon, avec un syndrome que celui-ci, tu peux pas continuer à manger comme tu mangeais avant. Je dis pas qu'on mangeait mal, mais bon, forcément, on achetait l'industriel, on mangeait du sucre, on faisait pas forcément attention. Et du coup, là, en fait, on a adopté en fait une hygiène alimentaire qui est pas à l'opposé, mais très différente de ce qu'on faisait jusqu'ici. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on mange beaucoup de fruits et légumes, on n'achète aucun plat préparé, aucun plat industriel, on fait tout nous-mêmes, avec toujours en fait cette optique de se dire, voilà, on limite le sucre, on limite aussi l'apport de gras, et surtout, essentiel, on mange tous pareil. Pas de différence. Oui. On mange tous pareil. Et ce qu'on dit souvent à nos enfants, c'est que chez nous, c'est comme chez les boucles d'or et les trois petits ours, là. Il y a un petit ours, un moyen ours, un grand ours. Le petit ours, il a un petit bol, donc il n'en prend pas beaucoup. Le moyen, il en prend un moyen. Et le grand, voilà. Et donc, à chaque fois, on en revient à cette image-là. Et donc, on dit à Chloé, bah ouais, t'en as un petit peu moins parce que toi, t'es le petit ours. Alors, la chance, c'est la dernière, ça marche. Et Arthur, c'est le moyen, etc. Et donc, voilà, on mange tous pareil, dans des quantités un petit peu différentes et adaptées. Et après, voilà, il y a des petits principes, effectivement, on ne se resserre pas, on n'achète pas de bonbons, mais à côté de ça, on a en fait mis en place une vie culinaire très, je pense, différente de celle des autres familles, parce qu'on s'est dit, ben voilà, on n'a pas le droit de manger tout ce qu'on veut, certes, mais en fait, on peut tout fabriquer nous-mêmes. Donc, oui. Tu vois, par exemple, quand c'est Halloween, c'est compliqué parce qu'effectivement, tous les petits copains, ils mangent des bonbons, et ben, on a trouvé des recettes pour fabriquer nous-mêmes nos bonbons avec zéro sucre. Ou à l'inverse, très... ben voilà, mais ah, oui. Ça devient très ludique le moment de la préparation de ce qu'on va manger et même de manger.
Exactement. Et du coup, c'est super. Alors, on a de la chance parce qu'on vit en 2022 et en fait, on a accès via Internet à énormément de choses. Et du coup, en fait, très rapidement, tu trouves plein de recettes parce qu'il y a beaucoup de gens qui alimentent. Et nous, du coup, on rend vraiment nos enfants acteurs, en fait, de leur propre alimentation. Alors, déjà, ils ont chacun leur livre de recettes, tu vois. C'est marqué les recettes de Chloé, les recettes d'Arthur. Dès qu'ils ont un truc qu'ils aiment bien, pof, ils le notent. Alors, toujours dans le cahier des charges de la famille. Mais ils choisissent et on les laisse faire en fait par eux-mêmes parce que moi je me dis mon objectif dans tout ça c'est quoi? C'est que Chloé quand elle sera grande, ben, je lui souhaite tu vois d'avoir sa vie, d'être autonome et du coup de savoir gérer son alimentation par rapport en fait justement aux contraintes qu'elle peut avoir. Quoi. Mais c'est génial en fait tout ce que vous faites parce que on avait il y a pas longtemps parlé avec Linda justement de toute l'alimentation et des bonnes habitudes qu'on peut donner à nos enfants dès maintenant. Et effectivement, moi je te rejoins sur à la maison, c'est un plat pour tous. Et c'est pas on fait un plat pour les plus grands, un plat pour les plus petits, non, c'est tout le monde mange la même chose. Et ça c'est extrêmement important parce que dès si on leur donne ces habitudes-là, en fait, ils vont le répéter parce que pour eux c'est normal de faire ça. Ouais. C'est normal de cuisiner à la maison. Tu vois, c'est normal de préparer. C'est normal qu'on mange des légumes. C'est normal, tu vois, c'est normal d'avoir des fruits. C'est, voilà. Et, ouais. Et c'est vrai que plus tu leur donnes ça, plus vous faites du fait maison, en fait, plus pour eux, ça devient une activité et ils participent avec du plaisir et du coup, ils mangent ce qu'ils ont fait. Et tu vas me dire, ils ont mis une tonne de courgettes à la place. Tu vois les gâteaux où tu remplaces le sucre par de la courgette ou de la compote. Ben voilà, en fait, pour eux, ça va devenir une normalité de remplacer le sucre et le beurre par tout ça. Bien sûr. Donc c'est super et il faut qu'on continue comme ça, il faut. Parce qu'on a un enfant qui a une maladie en particulier, qu'on devrait avoir de bonnes habitudes alimentaires. Exactement. Alors, c'est tard, mais quand on commence dès le bas âge avec de bonnes, je mets entre guillemets évidemment, parce que bon, les bonnes habitudes, on met tout ce qu'on veut, chacun met ce qu'on veut dans bonnes, mais il n'empêche que quand on commence dès le bas âge, en grandissant avec, ça devient moins contraignant. Ça devient, c'est une habitude qu'on acquiert et que du coup, ben, c'est normal de le faire et du coup on la continue et après moi je suis dans l'idée de transmission aussi après Chloé aura ses enfants et va transmettre ça à ses enfants ainsi de suite en termes de bonnes habitudes alimentaires. Juste moi j'étais très interpellée par tout ce que tu as dit et je me suis arrêtée à la recherche du chromosome atteint justement par le syndrome que en faisant nos recherches avec Laetitia aussi on a bien vu en fait que c'était le chromosome 15 comme tu l'as si bien rappelé Marion. Mais est-ce que du coup le fait de trouver quel est le chromosome atteint par ce syndrome on peut peut-être agir, est-ce que la science aujourd'hui permet d'agir sur ce syndrome pour pouvoir peut-être amoindrir les répercussions et du coup faciliter encore plus davantage le quotidien de Chloé et de vous tous ou bien c'est encore en cours de recherche. Elle finit pas la recherche, je suis consciente, mais il y a eu des progrès quand même entre le moment où on a découvert ce que ce syndrome-là existait et une avancée dans une espèce de remède ou je sais pas, ou un vaccin en plus, j'en sais rien. Mm-hmm. Voilà, c'était juste pour savoir si tu avais plus d'éléments parce que je ne suis pas allée jusqu'à faire cette recherche-là, je t'avouerais. Ouais. Non mais c'est vrai que c'est très spécifique. Hein. Alors c'est vrai que aujourd'hui il n'y a pas de remède en tant que tel. On n'a pas trouvé le traitement miracle qui justement permettrait de réguler notamment l'appétit. Hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui je trouve que c'est la partie qui est vraiment difficile à gérer. Néanmoins c'est vrai qu'il y a quand même des progrès dans la recherche. Il y a une association qui est très active qui s'appelle Prader Willi France justement qui c'est celle pour laquelle justement j'ai fait courir Laetitia. Parce qu'on a reversé les fons à l'association pour la recherche. Et pour trouver justement des traitements, des remèdes. Alors il y a des choses qui aident aujourd'hui, hein, il y a des choses qui ont été mises en place hein, pour des enfants, par exemple par traitement par hormones de croissance. Nous on n'en bénéficie pas parce qu'on n'a pas de sujet de croissance pour Chloé, mais il y a d'autres types de traitements dont Chloé aussi bénéficie, qui aident au quotidien. Ça ne soigne pas, ce n'est pas un remède par rapport à tout, mais ça donne des aides et quand même, mine de rien, c'est un sacré plus. Oui. Mais c'est encore très expérimental. Alors, il y a des médecins qui sont très actifs hein, là-dedans. C'est vrai que moi, je suis très attentive à tout ce qui peut se passer là-dessus. Mais voilà, encore aujourd'hui, c'est hyper expérimental.
Ouais, donc on a besoin de dons. Ceux qui nous écoutent, envoyez vos dons à l'association Prada Rally France. Peut-être qu'elle va aider, elle va contribuer à. Ça a l'air de rien, il n'y a pas de petite aide. Hein, 10 euros, 5 euros, 50 euros, 50 000 euros, bref. Envoyez vos dons parce que ben, ça va toujours aider. C'est la petite parenthèse. J'arrête, Laetitia, je te laisse reprendre la main. moi, j'avais juste une question parce que tu vois, il y a les règles de la maison. Et donc, chez toi, je veux dire, vous contrôlez. Mais comment tu gères les sorties, aller chez la famille, les amis, tu vois, la sortie d'école, tous ces petits trucs qui font que tu n'es plus chez toi, donc il n'y a plus tes règles. Honnêtement, c'est sport. effectivement, à la maison, c'est entre guillemets simple, hein, parce que tout est sous contrôle, même si il faut surveiller en permanence, parce qu'en fait, elle sait où est la nourriture, hein, et clairement, si tu ne regardes pas, elle a vite fait d'aller chercher dans les placards, quoi. À l'école, c'est globalement correct, c'est-à-dire qu'en fait, on a mis en place des paniers repas, donc, tu vois, chaque week-end, j'imprime tous les menus de la cantine, et en fait, l'objectif, c'est de lui donner la même chose que les autres. Pas de différence, mais elle a le privilège de pouvoir choisir. Donc, s'il y a du brocoli, elle peut changer. Son frère est hyper jaloux d'ailleurs, il rêverait d'avoir un panier repas. Donc voilà, donc tu vois, bon, déjà, voilà, le fait du coup de pouvoir reproduire les menus de l'école, mais en limitant le gras et le sucre, ouais. Ben, du coup, ça nous aide pas mal. Et puis, globalement, à l'école, elle a sa maîtresse et puis elle a une aide aussi, elle a une AVS. Je crois que c'est auxiliaire scolaire, que je briefe en fait, hein, à chaque fois en début d'année pour expliquer les symptômes, etc. Et du coup, elles sont très sensibilisées au fait que faire attention à ce que Chloé ne se resserre pas 50 fois parce que de toute façon, elle ne pourra pas s'arrêter. Oui. Et là-dessus, voilà, généralement, ils sont assez sensibles. Mais moi, je leur dis quand même une chose, je leur dis ce qui est important, c'est la gestion de la frustration. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une vie entre guillemets compliquée hein, de dire tu pourras jamais manger autant que tu aimerais. Exactement. Parce qu'à un moment donné, ton corps, c'est mauvais pour lui. Mais tu vois, dans le cas de l'école, quand il y a un goûter d'anniversaire, si tous les enfants se resservent, moi, je dis à la maîtresse, je vais vous servir une petite part, quoi. Parce qu'à un moment donné, je pense que pour moi, l'impact, il est encore plus négatif pour l'enfant de recevoir « Ah non, pas toi !» plutôt que, voilà. Donc, je préfère qu'elle reserve une petite part et on rattrape derrière à la maison, tu vois. Exactement. Donc, voilà. Donc, l'école, globalement, ça va. Et après, du coup, t'as tout le reste. Les amis, la famille, l'extérieur, c'est pas toujours facile. Selon les amis qu'on côtoie, il y en a qui comprennent bien, il y en a qui comprennent pas forcément. Parce que c'est vrai que j'ai remarqué une chose chez les adultes, hein, c'est qu'une façon de faire plaisir aux enfants, souvent, c'est de leur offrir à manger. Un bonbon, un gâteau, etc., etc. Sauf qu'en fait, pour nous, c'est surtout pas la bonne chose à faire, quoi. Ils sont pas les donner. Ils sont quoi pour que ces adultes soient... Ouais, mais je sais pas. Et ils comprennent quand même pas. Non, quand même pas. Je peux pas lui donner un petit chocolat. Non. Alors après, parfois, je me dis, c'est peut-être moi qui en fais trop, tu vois. Mais non, c'est parfois difficile. Alors, je vous cache pas que généralement, on fait en sorte plutôt d'inviter nous plutôt que d'aller chez les gens. Parce que c'est vrai que je me vois pas leur dire, alors les apéros, nous, c'est plutôt crudité. Pas de gâteau, pas de trucs comme ça, quoi. Mais bon, parfois, on va quand même chez les gens. Et bon, bah, du coup, faut que j'essaie de ravaler mon stress quand je la vois se jeter sur la nourriture. Voilà, en me disant, bah, voilà, faut qu'elle passe aussi un bon moment. Donc voilà, j'essaie de surveiller les quantités. Voilà, mais effectivement, parfois, voilà, on se refuse de faire certaines choses. Je sais que Laetitia, on s'était parlé de l'arbre de Noël qui avait été organisé au boulot, où je t'ai dit « Ah non, je suis désolée, je ne viendrai pas. » Parce que, voilà, moi, un arbre de Noël, tu me dis ça, et j'imagine les bonbons et les gâteaux mis à dispo, et puis en fait, Chloé qui y va, et puis du coup, pour moi, c'est une source de stress telle que je ne peux pas, quoi. Je ne peux pas. Donc, on évite effectivement certaines choses. Ouais. Et tu as raison de parler, c'est la frustration qui est le pire, parce que je trouve que c'est celle qui laisse le plus de marque, en fait, chez les enfants. C'est pourquoi moi j'ai pas le droit et ça reste ancré et ça reste bien bien au fond et tu as raison, j'adhère complètement. Oui, si les enfants ont droit à une deuxième part, oui, bah vous lui en donnez une deuxième mais plus petite, mais vous lui donnez quand même la deuxième part. Elle se construit pour pas que justement elle se différencie aussi des autres et elle se culpabilise en fait aussi. Voilà. Bravo Marion parce que c'est extrêmement compliqué. Le stress que ça peut créer chez toi de la gestion de l'extérieur
et puis d'être toujours essayer d'être le plus fair possible, mais être toujours vigilante pour pas que tu aies à rattraper sans cesse en fait les écarts qu'on pourrait avoir, un week-end ou tous les goûters qu'on pourrait avoir après l'école, quoi. Donc c'est juste un, ouais, je te comprends, compliqué. Je te connais, tu as mis des activités en place. Vous faites beaucoup de sport ou Ouais, exactement. Bah, tu vois, on était ni moi ni Marie, on n'était pas du tout sportifs au départ, mais bah du coup on s'y est mis, hein, parce qu'à un moment donné, ce qui est important, c'est de faire ce qu'on dit, hein. Donc quand on dit à Chloé, le sport c'est important pour la vie. Et en plus de ça, faire du sport, c'est aussi brûler des calories. Alors on dit pas ça comme ça, hein, mais c'est aussi, ça permet de se faire des petits plaisirs, donc c'est sympa. Donc effectivement, on s'est tous mis au sport. Chloé, elle voulait faire du judo, donc elle fait du judo avec un prof hyper compréhensif et par ailleurs en plus des valeurs véhiculées qui pour moi sont top par rapport au syndrome, mais de manière générale aux enfants, je trouve. Ouais. Et Arthur lui fait du poney. Il est super content. Moi, je me suis mise à la piscine. Voilà, tout le monde fait son activité. Je pousse mon mari pour faire quelque chose s'il m'entend. Alors, mets-toi à courir. Non, sinon, au-delà de ça, ils font qu'une activité chacun parce que, mine de rien, l'agenda de Chloé, il est assez chargé. Puisqu'en fait, y a pas mal de rééducation. Hein. Alors, même si on essaie de limiter, on a passé un petit pacte avec Chloé. On fait jamais plus de 2 rééducations par semaine. Donc là, en ce moment, c'est orthophonie et psychomote. Avant, l'année dernière, c'était orthophonie et orthopsie. Voilà. Parce qu'en fait, elle te le dit, hein, non mais maman, j'en ai marre, là, il y a trop de trucs. Moi, j'ai envie d'avoir du temps pour moi. Donc, super. On fait en sorte, voilà, du coup, d'aménager l'emploi du temps de telle sorte à ce qu'on puisse avoir un temps pour tout. Un temps pour, effectivement, les rééducations, un temps pour le sport et un temps pour soi, parce que, mine de rien, c'est hyper important. Et puis voilà, puis le dimanche, on est sortir tout le temps, de faire vélo, trottinette, skate, ce que tu veux. Mais effectivement, le sport est très central, quoi. Pardon, mais il faut que je le dise, quoi. Enfin, vous voyez, on le dit tous les jours, toutes les semaines, je le dis, je le répète, mais ça, on est vraiment des chiffres, on est vraiment exceptionnels. Pas plus la BT, c'est juste, ça paraît. Toi, tu parles de ton quotidien, pour toi, c'est normal. Moi, je sais, quand je t'écoute, j'imagine toute l'organisation derrière au niveau de la famille, mais j'inclus aussi l'aspect professionnel, parce que oui, tu es aussi une pro qui a une carrière, et je peux pas m'empêcher de, justement, un petit clin d'œil au post LinkedIn que j'ai fait, je peux pas m'empêcher au fait de repenser à des entreprises ou des dirigeants ou des managers qui essaient de dissocier la femme qui est en nous, la mère qui est en nous et la professionnelle qui est en nous. C'est complètement surréaliste de le faire. Donc, je pense qu'en 2022, avec ce qu'on vient de vivre, on le voit un peu moins. J'espère que c'est vraiment dans la durée que ça va s'installer, que ça va rester. Mais le côté organisation, je l'ai en fait, j'ai ma réponse. Tu dois être super organisé au niveau familial pour pouvoir gérer à la semaine près le déjeuner de ta Chloé, et ensuite dans la semaine prévoir également tout ce qui est rendez-vous pour le sport, même si je l'entends, hein, il y a des enfants qui font du sport, qui vont atteindre du maladie ou pas, mais il n'empêche que femme, mère, pro, on est exceptionnel. Tu en es encore la preuve, donc merci Marion. Fallait que je le dise, fallait que ça sorte. Non, mais tu as raison, parce que Marion, quand je lui ai dit, mais Marion, t'es une wonder, elle me dit, mais non, mais t'exagères. Je lui ai dit, mais si. En fait, elle a des journées hyper denses, parce que je les connais. Et en plus, elle gère sa famille d'une main de maître, et tout le monde a l'air épanoui. Il faudrait que je voie les photos des enfants, mais tout le monde a l'air épanoui, et t'as quand même une Chloé, 8 ans, qui te dit, maman, j'aimerais avoir du temps pour moi. C'est magique, tu vois. À 8 ans, d'avoir aussi cette maturité et de dire, moi, je veux bien, mais ton planning, il est un peu trop chargé, tu veux pas me laisser du temps pour moi, s'il te plaît. Et je trouve ça hyper mature pour un enfant de 8 ans. Bravo vraiment. C'est super. Moi, on a déjà dépassé la petite demi-heure qu'on s'était dit. On a la maison, ça avance tranquille, j'ai envie de te dire. Moi, je voulais lui demander, Marion, tu vois, si tu rencontrais une maman qui se retrouverait dans le même cas et qui serait dans ses débuts, quel serait ton conseil? Quel serait mon conseil? Tu vois, c'est en fait finalement un petit peu tout ce que j'ai dit jusque-là et qui a un petit peu en fait jalonné mon petit parcours de vie, quoi. Hein. Déjà, c'est accepter la différence.
justement, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, hein, l'acceptation, c'est-à-dire tu sens mieux à partir du moment où bah, tu arrêtes de te comparer en fait, aux autres enfants et ouais. tu acceptes en fait, ton enfant tel qu'il est, hein, il est un peu différent, mais peu importe en fait. Après, effectivement, il y a le fait d'accepter de se faire aider, lâcher prise en fait, d'éviter de vouloir en fait, tout contrôler, faire tout par soi-même. Tu vois, parce qu'en fait, finalement, à un moment donné, on n'est pas forcément des Wonder Woman tout seul. Et en fait, il y a plein de gens autour en fait, qui ont beaucoup d'aide en fait, à te proposer. Et il faut aussi savoir l'accepter. Quoi. On ne peut pas tout gérer tout seul. Et puis également, il faut choisir ses combats et ses priorités. Tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui est important finalement dans la vie, quoi. Dans la mienne, dans celle de Chloé, dans celle de mes enfants, etc., dans ma vie de famille. Et je me suis dit, voilà, bah, peut-être que mes enfants, ils ne font pas de grandes études, mais finalement, est-ce que c'est important ? Ouais. Est-ce qu'il faut, tu vois, être tous les soirs derrière, ah, t'as fait tes maths, t'as fait ci, t'as fait ça, etc. Ouais. Sachant que nous, c'est parfois difficile. C'est pas ça qui est important. En fait, ce qui est important, c'est que je me suis dit, c'est qu'elle soit heureuse. Tu vois ? Et à partir de là, pour qu'elle soit heureuse, il faut qu'elle soit bien dans ses baskets, qu'elle s'assume en tant que telle, on parlait de frustration, qu'elle soit pas trop frustrée. Et en fait, voilà, du coup, en fait, j'ai relégué en fait certains sujets au second rang en me disant, ça, en fait, on s'en fiche, quoi. Elle fera sa vie. Et ce qui est important, c'est qu'elle trouve des choses qui lui plaisent et qu'elle s'investisse là-dedans, quoi. Et puis en s'assumant totalement et en assumant le regard des autres si besoin, enfin plein de choses, quoi. S'accepter. S'accepter. Ouais, c'est ça, mais s'accepter. Et qu'elle s'épanouisse, ouais. Ouais. Et ben, c'est super. Mais moi, je suis super touchée de t'avoir eu parce que il y a des maladies rares qu'on connaît pas. Et c'est important, en fait, de parler, de partager. Mais partager, alors on parle pas que du syndrome de Prader-Willi. En fait, on parle vraiment de partager notre quotidien de maman. De partager nos astuces, tu vois, que tout à l'heure, Linda l'a dit, hein, l'alimentation, oui, mais en fait, c'est pour tout le monde. C'est ouais. des choses qu'il faut mettre dans son quotidien. Il faut se faire un peu violence pour parfois. Il faut le faire. Il faut le faire parce que on donnera plein de bonnes choses comme ça à nos enfants quand ils vont grandir. Et ça va les aider. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci Marion. D'avoir partagé avec nous ton quotidien. Voilà, je sais pas, Linda, tu veux dire le petit mot de la fin ou qui dit le petit mot de la fin? Je vais laisser Marion le faire et puis on va avant de rendre l'antenne. Le petit mot de la fin. Allez. Le petit mot de la fin. Merci à toutes les deux. Merci pour ce temps que vous m'avez proposé. C'est vrai que c'est toujours bien, je pense, de parler de ce syndrome-là, parce que moi, je me rappelle avant de connaître ce syndrome, je pense que j'avais un regard qui n'était pas le bon, en fait, parfois sur des enfants qui pouvaient être différents, qui étaient en surpoids, par exemple, à se dire. Ah, ses parents n'ont pas bien contrôlé ce qu'il mangeait, ce petit. Hein. Et en fait, tu vois, de rentrer dans ce syndrome, tu dis, faut pas juger, parce que tu connais pas l'histoire des gens. Donc, à un moment donné, il faut sortir justement de ses préjugés et accepter l'autre, en fait, dans son entièreté, sans le juger, quoi. Chacun a son histoire et il faut la respecter. Voilà. Exactement. Ouais, j'ai bien fait de laisser le mot de fin à Marion parce que avec sa tendresse et son pragmatisme, elle a bien fait passer le message. J'aurais pas été aussi tendre, surtout parce que quand il s'agit de jugement et compagnie, à force avec toutes les thématiques que nous avons abordées en émission Focus sur, mais également au cours des chroniques parentales, on aborde tellement ces sujets-là, le jugement, le regard des autres, qui est un peu cette sacro-sainte, qui souhaite avoir cette emprise sur nous parce qu'ils savent tout, ils sont omniscients, ils sont omniprésents, ils sont omnipotents, ils disent plein de choses, ils donnent leurs avis sans connaître ne serait-ce que la moitié de l'histoire d'une personne. Et ça, voilà, ce sont les sujets qu'on aborde tellement. Et moi, je suis toujours très trash quand je donne mon avis et quand je donne le mot de fin. Donc, j'ai bien fait de te laisser une fin. C'était un réel plaisir et un immense honneur de t'avoir, Marion, et d'avoir partagé ce témoignage très fort. J'espère qu'il va aider les mamans qui peut-être vivent une histoire ou une...
on va dire, une vie un peu similaire à la tienne, et j'espère qu'elles en auront pris leur dose de positivité et leur dose de boost. C'est pourquoi The Focus existe, c'est pour ça qu'on est là tous les jours à marteler ces messages de positivité. Et donc, mais moi, je vous remercie toutes les deux, et Marion en particulier pour le temps, et pour toutes les auditrices en ce moment connectées et auditeurs. Je vis toujours les hommes, mais bon, comme on est sur la radio de la femme, la mère et la pro, priorité aux femmes. J'ai rien contre les hommes, mais bref, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette demi-heure un peu plus, 40 minutes, je crois qu'on a fait à peu près. C'était très, très enrichissant comme d'habitude. Et on vous remercie d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre sur The Focus Radio, l'univers de la femme, de la mère et de la pro. On rend l'antenne et bon dimanche à tous et à toutes. Et n'oubliez pas, le replay sera disponible au moins de 48 heures. Au revoir, mesdames. Bon dimanche. Au revoir, merci.